Ce résumé vous est proposé par Nissan et Mastercard, sponsor de l'UEFA Champions League. Kanté. Première fois qu'il y a une possession de balle de Chelsea là dans le camp madrilène depuis très longtemps. Tous repliés. Rudiger. Et là, mais comme quoi il faut tenter sa chance. Il y a une balle flottante, assez lourde. Militao, il faut aller chercher les dribbleurs ou les génies au niveau de la passe. En voici un. La frappe peut-être de Casemiro, elle peut être lourde. Une bonne petite balle également, on s'est un peu gêné, mais ça passe. Ou presque, c'était touché, ça c'est un coup de quoi. Ah, quel arrêt de Mendy, franchement, quelle construction. Vraiment, la circulation a été parfaite. Qu'est-ce qui se passe là ici, Benoît? Il se gêne un tout petit peu, mais quel arrêt de Mendy. Quel arrêt de Mendy. Symbolique aussi, hein, que le seul tir soit venu d'un défenseur central du côté de Chelsea. Pas beaucoup, et voilà peut-être maintenant ici avec l'accélération de N'Golo Kanté pour la première et la frappe d'Avers, sa sortie, oh elle est bon ça, oh la chance, mais le but malgré tout de Werner qui n'est pas hors jeu, but de Werner, mais alors là franchement je voudrais bien Benoît votre avis sur l'accélération de N'Golo Kanté avec Avers, c'était rapide, trop rapide pour le Real. Comme à son habitude, il a toujours cette petite touche finale, donc il met le pied avant l'adversaire. C'est exceptionnel cette accélération, ce coup de rein et cette collectivité, cet altruisme qu'il a et qui donne le bon ballon au bon moment. Attention, Avers aussi, hein, il a bien piqué là devant Courtois. Et encore une fois, Werner, qu'on critique, il est là. Il est là et c'est lui qui fait la différence et qui marque tout simplement. Donc il fait taire tous ses détracteurs et je suis content pour lui vraiment. Je regarde toujours Eden Hazard pour un petit peu son application dans le jeu. Modric, elle est belle, elle est pas mal. Et Mendy, il est pas mal non plus, même s'il ne paraissait pas si compliqué que cela à prendre. Y avait-il hors jeu? Je ne le pense pas. Et là, ici, ouf, deuxième barre, c'est Havertz là, oui. C'est Havertz, mais quel centre d'Azpilicueta. Écoutez, il n'est pas passé une fois en première période sur ce flanc, le capitaine espagnol, mais là, quelle tête magnifique. Avec Havertz pour la balle de qualification, non, ça touche encore la transversale, j'ai l'impression, c'est non Marc, c'est Monde. C'est Monde, pardon. C'est un miracle que Chelsea n'ait encore marqué qu'un but. Bien joué encore ça une passe, fois. Ça passe, ça passe. Oh, le contrôle, il est magnifique, c'est goal ça. Oh non, Hazard. Oh, que Courtois, qu'est-ce que j'ai là avec Hazard tout le temps. Mais franchement. Il tient son équipe dans le match, tout simplement. Bien vu. Hazard. Voilà maintenant Hazard. Oh, pas mal tenté ça. Ça, c'était bien tenté. Pas mal tenté. Et là, ça n'a pas été touché. Si, coup de coin. Ouh là là, Werner, il faudra le prendre, hein. N'Golo Kanté et Havertz, il faut le prendre là, il faut le prendre, N'Golo Kanté pour le but de, rien du tout, le retour de Militao. Regardez N'Golo Kanté, Nacho qui revient bien, il va frapper Havertz, non, le voilà N'Golo Kanté, lui il frappera pas. Et ça, en revanche, ouais. Mais les possibilités, il y en a de plus en plus. Oh là là, N'Golo Kanté, lui mériterait de marquer. Mais il va encore vous donner un assist. Ben oui, forcément, à Pulisic qui clash. Non, il donne. Ah, le voilà le but. Le voilà le but et voilà la qualification. Et c'est Mount. Et c'est Mason Mount qui offre maintenant cette place en finale. Cette fois, c'est sûr et certain. On aura une finale 100% anglaise
Mais franchement, c'est mérité. Franchement, c'est amplement mérité. Bah, c'est plus que mérité. Il y a eu tellement d'occasions. Puis alors, ce changement, Pulisic, un joueur qui devait ronger son frein sur le banc alors qu'il aurait mérité de jouer également. Mais il y a tellement de concurrence, offensive en tous les cas. Et Kanté, encore une fois, Marc Kanté, mais c'est impressionnant. Ce résumé vous a été proposé par Nissan et Mastercard, sponsor de l'UEFA Champions League.